Voilà. Alors, Pablosphère, a priori, de ce qu'on m'a dit, spécial grève, mais peut-être que ça a changé. Eh non. Oh non, qu'est-ce que j'aime pas quand il fait des Pablosphères surprises. On dirait un prêtre. Je déteste ça, qu'est-ce que c'est? Alléluia, les frères! Qu'est-ce que c'est? En fait, vous ne le savez pas, mais je vous l'ai jamais dit parce que j'avais peur que vous me jugiez. Et en fait, ça fait quelques temps que je me suis mis au gospel. D'accord. Ah, c'est ça du coup, parce qu'il a une espèce de... Mais comment ça s'appelle ça? C'est ma toge. T'as une toge bleue? C'est ma toge officielle avec toute ma troupe. Ah, quoi. Et qu'est-ce que t'as fait? Ça fait pas mal de temps qu'on répète. Beaucoup. Non, j'ai très peur. Qu'il y a énormément de chansons et qui se font, voilà. Pourquoi il y a du monde qui rentre en studio? On est parti à Las Vegas, on est parti à San Francisco, on a fait un peu le tour du monde. Pourquoi ils sont morts de rire? Je sais pas, il y a plein de monde qui arrive. Et c'est vrai que ce soir, j'aimerais que toute ma troupe, toutes mes copines rentrent avec moi ce soir dans le studio de Marion et les garçons. On va vous faire un titre, voilà. Alléluia, mes sœurs. Il y a toute une troupe de gospel qui vient de rentrer dans ce studio. Mais elles sont combien? Mais ça n'arrête pas. C'est toutes mes copines, tu le sais, Marion. Il y en a au moins une quinzaine qui sont toutes habillées comme Pablo, avec cette jolie toge bleue et dorée. Elles sont 10. Exactement. Mais ça va, les filles, prêtes? Donc Pablo, on ne parle pas du tout des grèves là, t'es parti sur autre chose. Clairement oui, les grèves, on verra demain si on en parle à la limite. Donc là c'est une spéciale gospel. Exactement. Donc on va chanter quoi? On va chanter ce soir. Tout le monde va taper dans ses mains, du bruit, on va mettre un peu de lumière, mettre de l'ambiance, regardez-nous partout. Il y en a sur toutes les stories. On retourne ce soir le studio de Marion et les garçons, c'est parti, musique. Oh là là. Surprise, Pablo! C'est magnifique! C'est hyper attends, stylé. On a répété, si vous savez, comme j'ai rien branlé. Bah oui, mais c'est toi qui as écrit au moins, rassure-moi. Ouais. Globalement, on peut dire que j'ai rien fait. Ah, mais alors attends, présente-nous quand même la troupe et tout, parce que c'est incroyable. Évidemment. La troupe, elle s'appelle. Bah en fait, tu vas mieux en parler que moi, puisque j'étais en contact avec elle depuis pas mal de temps quand même. Ah ouais? Et c'est grâce un peu à elle qu'on a fait un bon truc ce soir. Et... Comment tu t'appelles? Christelle, de Sénat Happy Voices. D'accord, bravo, voilà, Sénat Happy Voices. Merci. Sénat Happy Voices. Donc nous avons aussi un site internet, vous pourrez voir ce qu'on fait, notre histoire. Ça fait 5 ans qu'on existe et donc voilà. Et mais c'était incroyable, bravo. Et nous avons un super hyper spectacle bien. 21 un spectacle bientôt. Décembre à Mormant. Voilà. Donc tout est sur notre site internet, scénarhappyvoices.com. Eh bien, on va tout balancer sur nos réseaux à nous. C'était très bien. Bravo, Pablo, bravo tout le monde. Et attends, pareil, bar mitzvah, mariage, anniversaire, on fait tout. Ah bah franchement, félicitations les filles. Ah ouais, la seule Pablosphère stylée, c'est celle qu'il n'a pas faite. En fait. Exactement. Exactement. Eh, c'était trop, trop cool. J'ai merci hâte de me refaire la vidéo. Là. Merci à vous. Merci. La classe. Ça ferait limite un tube ce truc, on va pouvoir le rediffuser. Hein. Mais justement, là ce qui est prévu, c'est qu'on va aller l'enregistrer en cabine et puis on va pouvoir la remettre de temps en temps. Ah bah génial. On va faire des jingles et tout. Quand tu dis on, tu chantes pas toi? Non, globalement. Non, merci beaucoup.